Bonjour, bon après-midi, bonsoir, comme nous avons l'habitude de les dire. En tout cas, ça dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur notre émission du jour. Émission ya Mokona Lelo, émission Bolingaka Mingi, émission ya éveil ya conscience patriotique. Oezaka Bongo présenté na Mwana Mboka, Exodus Lukombo. Fidèles internautes, encore une fois, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue dans l'émission Nabiso ya Mokona Lelo et nous vous remercions pour tous les supports, pour tous les soutiens, pour les encouragements, pour les félicitations, en tout cas, bref, pour tous les soutiens, tant financiers, spirituels, moraux que matériels, au bois apporté à Nabiso Mandeko Balandina Moussala Oyo, donc au Salaka Boutoube Moï, fidèles internautes. Mandeko Balandi, et Bélé Balbora, pourquoi Exode Alobaka passe dans mon thème? Oui. Parce que, Maramoumingi Tosolo Laka, ceux qui vous constatez, vous trouverez que Zama Marambo et Sarah Bissot passent dans mon thème. Marambo, Bissot, mais est-ce que c'est seulement parce que Dieu nous a donné ces grands et beaux pays que nous, Congolais, devons souffrir la beauté et la grandeur en Boka Bissot? Est-ce que convoitise Nyonso batubaza nango mutema mabe oyo mukili mobimeza nango ezaka apo biso to abana bilaka est-ce que ezaka apo tozana o tozana nango? Ça nous fait très mal. Moi parfois j'ai des larmes. Aujourd'hui encore nous confirmons ces complots internationaux. Voilà pourquoi j'ai dit à nos frères et sœurs que l'ennemi de notre pays ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça c'est un message que je lance à nos frères qui vivent au Congo to pe na Libana o bamipesa na bango. Comment va diaspora, je vais dire, il y a des combattants, on va l'écouter à combattre. Et on comprend ici que les combats, c'est de voir notre pays être relevé, classé, dans un niveau où il va payer Bélé, le Bazaël, il va payer émergent. Et l'autre côté, peut-être, dans la danse, mon côté, on va danser ensemble. Nous, on va payer au Bazaël qui est une émergence. Mais tout qui t'en a cité. Et comme nous avons quelqu'un aujourd'hui au Alinga Salamo te soutenir, il est au lié tous à l'ennemi. Parce que nos ennemis sont ailleurs. Et ceux qui nous combattent, ceux qui se rangent comme nos ennemis, Basali Moulongo n'a rangé na bango, qui bisse tous à l'ennemi à Congo, comme ici n'a rangé na bisse sur le ennemi, n'a bango Moutali Bosso Félix, surtout c'est que tu l'as. Ennemi n'a bango numéro 1 et comme moi n'a bango à Félix. Puis numéro 2, c'est tout le peuple congolais. Je vais vous lire c'est la nouvelle qui nous est tombée aujourd'hui. Nouvelle où ça lui se passe, Nabi. Non. J'ai raison de dire que les nilotiques, que les juifs, moi je ne soutiens pas aussi ce qui se passe en Israël. Dans le cas où on est mis sur le collègue, que les Hamas, ils en avaient marre sûrement. Parce que ces gens, ils ont une façon d'opérer. Une façon de faire les choses où est-ce que ça va tomber. Les Hamas, ils ont bango tende babanaki parce que torture morale au bazouaka. Façon ba soufraka nuit et jour, ne sa ki bon balancer ou balancer qui on a comme missile. Je vais vous lire. Mais si sur la présidentielle 2023, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain, Toyebi Cohen, ka au moral banque le Congo. Était grand pour être dirigé par les Congolais et même bah propos maintenant ensemble c'est là mon con na Sarkozy. Herman, c'est celui qui estimait que nous on devait partager nos biens avec les pays voisins. Rappelez-vous de cette phrase avec Sarkozy. Rappelez-vous de cette pensée de voir les Congolais être balkanisés. Cette idée venait de Cohen. Et le voisin que Cohen visait, ce n'était pas que le Rwanda. Voisins, on venait qu'on ciblait, c'était tous les voisins du lest, tous les nilotiques. Parce que les origines de ces gens, s'il faut remonter, ce sont des juifs à la base. Ce sont des juifs à la base. Et de l'histoire, histoire bah, juif, Nene Bakita, tout ça, ils se sont mariés, le roi David, avec la reine de Saba, ils ont fait des enfants. Et l'igné, nous avons battu le roi, Maigrichon, Moribon, Kanambe, et tout, Kanambe, oui, et tous, Batapuna, les Kanambe, et les Kagame ici. Nous demandons de partager, de vivre une vie communautaire.
de pouvoir partager nos biens, c'est-à-dire minerai na biso mutauti Uganda aye ba exploiter na bango l'Uganda exploite minerai aux en sol na bango aux en sol à Congo. Donc tout ba no exploitation à la commune, une exploitation commune de nos minerais. Et toi, ton exploitation, puisque tu as un engin et zangi, tant que tu as un bon exploité, tu as une exploitation équilibrée, c'est une guerre. Et après cette guerre, comme la déclaration avait déjà été faite et nous avions validé, ni n'y a pas bon parce que, bon, y'a quand même, bon, quand tu es vraiment belé, dans tous les cas, vous n'exploitez pas aussi. Vous êtes belé, bon, quand tu es. Donc, les plans de balkanisation étaient tels que il fallait que tu partages d'abord, y'a pas bien. Que vivre bien de manière commune. Chose qui ne pouvait être possible. Bah, comme on est tout télé, maintenant mon énergie n'est plus sorti à souka. Mais ces gens-là, bah, là, les pongités, hein. Ces gens-là, bah, là, les pongités, ils étaient là en train de penser à des nouvelles stratégies. Ils étaient là en train de penser sur comment nous allons mettre à terre, alors à genoux, la démocratie du Congo. Ils se disaient, nous allons laisser les Congo, les Congolais basent à la flouée, tout ce que vous avez dans la situation, s'ils avaient un candidat qui leur était favorable, un candidat qui n'allait pas être purement nationaliste, un candidat qui n'allait pas être démocrate, un candidat qui n'allait pas aussi aimer son pays, un candidat qui allait tout faire en leur faveur, distraction. Mais parce que nous avons un candidat qui ne voit que l'intérêt du peuple congolais, qui ne voit que le développement du pays, qui ne jure que sur la paix de son pays. Azo jure na retour à paix à Mbokanaye et qui tient à ce que les élections soient organisées, et que vous allez organiser le 20 décembre. Talaka candidat numéro 20, élection le 20 décembre. Échec, ce que échec c'est que peut-être ils ont échec aux alapos sur un enlèvement au salam. Nous d'azur mais aussi tant qu'on a un résultat c'est pour enlèvement salam. Non mais c'est décevant ce qui se passe. La société, la communauté internationale. Bon, moi j'aime l'appeler la société internationale parce que ce sont des gens qui ne voient que leurs propres intérêts. Encore ici, intérêt n'abandon et mon ami. Encore ici, l'acception égoïsme qui m'a mabé la sorcellerie dans Bango. Encore ici, ils ont utilisé cette bouche, l'une des bouches, par laquelle ils passent pour passer ma message à Boyo et Pessa Bissokana. Ils ont encore utilisé la même personne. Pas Ibsa Bissou Makamo, Tolingara Koyo Kate. Mais biso bande to continue la distraction, même l'opposant congolais, au lieu de faire de réfléchir sur Makamba Boué, au moins l'opposant congolais, au moins un ennemi na Félix. Au moins l'opposant congolais, ni on serait allé dans la carte Félix à Limon, le lobby de Moussika. Opposant congolais, on a eu la invalider, invalider la candidature à Félix. Pour en 2018, ça s'est présenté dans le combat Félix, alors s'est présenté dans le combat Antoine. Donc, aïe, bah, écoutez que les surnoms existent aussi. Un candidat, des candidats congolais, les opposants congolais, ils sont dans du n'importe quoi. Ils ne voient que leurs propres intérêts. Si on va invalider Félix, yo sept au les gars. Sept, toi on invalide Félix, toi sept tu vas passer. Moi je ne te vois pas passer si on invalide Félix, on sait que tu es. Quittons la sorcellerie, tout le monde est à ma baie. Tala Awa, ce qui nous a été communiqué ce matin. Les messages qu'on a reçus aujourd'hui. Et tout le monde le sait, mais au moins, on a beaucoup de temps. Les opposants, ils s'en foutent. Bon, on préfère qu'on va courir derrière la personne qu'on veut citer le nom tout à l'heure. Bon, on préfère courir derrière cette personne parce qu'on va accélérer un bon la campagne là-bas. On nous dit ici que Cohen affirme que le gouvernement congolais a décidé d'invalider la candidature de Moïse Katumbi. C'est pas, on ne parle pas des gouvernements américains, ici on parle des gouvernements congolais. Oui, si le gouvernement l'affirmait, c'est quoi le problème? Si le gouvernement affirme d'invalider la candidature de Moïse Katumbi, problème à Cohen et Zab. Problème à Nations Unies et Zawab. Problème à États-Unis et Zawab. Si le gouvernement décidait aujourd'hui de l'invalider, c'est quoi le problème de tous ces gens?
C'est quoi déjà les problèmes de tous ces mondes? Et il dit, il n'a pas fini. Là, il dit que cette décision est illégale et invaliderait l'élection. Quelle décision va devoir invalider les élections? Je ne sais pas de quelle décision lui parle. Quelle décision validerait les élections? Est-ce que parce qu'on ne veut pas des candidats étrangers dans notre pays que les élections doivent être invalidées? Mais si ces gens ici l'aiment tant, pourquoi ne les présenterait pas comme candidat président de la République dans leur pays? Parce qu'il a dit lui-même qu'il a des origines juives. Et nous savons que ce sont des juifs qui dirigent les États-Unis. C'est quoi les problèmes de tous ces gens ici? Il dit cette décision est illégale. En vertu de quelle loi? Il fait allusion à quelle loi déjà? Parce que la légalité dont il est question ici, je voudrais savoir, il parle de quelle législation? Est-ce la législation congolaise ou américaine? L'illégalité c'est par rapport à la législation congolaise ou moi je ne sais pas comprendre. La loi congolaise ou la loi américaine? Parce que si déjà aux États-Unis, vous qui êtes né des parents américains, mais sur un autre sol, vous ne devenez pas président de la République. Est-ce que pour Schwarzenegger, nous Congolais avions compris cela ou nous avions dit que cette décision avait été illégale? Est-ce que cela nous regardait déjà? Est-ce que cela avait vraiment de l'impact sur ce que nous faisons, sur ce que nous voulons? Parce qu'on n'avait pas d'intérêt à ça. Mais voilà l'implication de ces gens dans ces choses. La façon de s'immiscer dans ces choses, les accuse, nous montre à suffisance que ces gens, ils sont pour quelque chose. Que ces gens avaient déjà préparé leur candidat et ne sont pas surpris qu'ils soient deux ou trois sur la liste. Ils ont préparé leur candidat marionnette, lesquels ils vont comme ça, remote, télécommande, à partir de USA, il va finir. Point. Accepte les gay pride. Accepte. Point. Accepte l'avortement. Point. Légaliser. Point. Faites ceci, ils le font. Ils ont déjà un cahier de charges remis, polycopié, signé, donné à ces gens. Et quand ils voient ces candidats être déjà invalidés, en même temps, on va leur dire plan d'habitude cimitaire, plan d'habitude collecté, parce que nous, les Congolais, nous ne voulons pas de ça. Et nous avons nous-mêmes la responsabilité de choisir, alors de manière responsable, notre dirigeant. Nos propres dirigeants, commençant par les présidents de la République jusqu'aux députés et autres. Nos représentants, c'est nous-mêmes qui allons les choisir. Vous n'allez pas nous imposer et nous dire que certaines décisions qu'on prend pour que notre pays ait connaître, que le pays connaisse les changements, que le pays connaisse les avancées, que le pays soit dirigé par un autochtone. Vous n'allez pas nous dire que cette décision est illégale et qu'elle est invaliderait. Parce qu'il représente quoi déjà dans ces pays? Khartoum, il représente quoi? Des milliers de Congolais? La popularité dont tu fais face, il n'a pas fini. Il dit, car Moïse est qualifié, est très populaire. De quelle qualification tu parles? Qualification des masses aimées? Ou qualification, tu parles d'une qualification politique. Moi, je ne sais pas de quelle qualification Zoloba a. Qualification Nini, Ozo, ça l'allusion a. Which one are you talking about? Congo is not USA. You have to take this Moïse Khartoum and bring him back to your country so that he can be a president in USA, not in DRC. Et dire que la décision doit être, cette décision est illégale, invaliderait l'élection. De quelle élection? Les élections administratives du Congo, elles vont être invalidées parce que
on va enlever, parce que c'est pas encore arrivé, admettons qu'on l'enlève sur qu'il soit, son nom soit bouté dehors de cette liste. À l'élection, ils ont été pour la Katoumbi. Et Cohen. Comment on peut dire que Kabila a été manipulé, vous pensez que c'est les mêmes Congolais, les mêmes Congos, les Congolais que vous aviez manipulés, vous pensez que c'est les mêmes Congolais aujourd'hui? Things are changing each and every day. Since we got Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo as a president, things are really, really going to change. And they are changing. Elles ne sont plus les mêmes. Depuis qu'on a le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrêtez un certain moment. Ayez honte. Moukin, madame Alaximino, que t'as la vie de mon bon sang, bobé, ça monte. Bobé, ça libère, bato, vanda, kimia. Bobé, ici, malia, bato. Bobé, ici, partout dans le monde, mon olé, que bobé, ma soumère. Bah, ça, nous, la matière, nous, bobé, ça, ra, moukin, la bato. Vous dormez en paix, vous vous réveillez en paix. En plus. Trouvez les gens qui vont vous translate ce que nous disons ici. Soit débrouillez-vous pour que YouTube vous arrive à mettre des sous-titres. Comme ça, vous allez comprendre à quel niveau la conscience congolaise est debout maintenant. À quel niveau la jeunesse congolaise s'est réveillée. Comment les Congos est aujourd'hui en train d'être relevé par la Balamboka na Yemoko et défendu par les Congolais, chose qui ne se faisait pas les années passées, chose qui ne se faisait pas 10, 2, 3, 4 décennies. Vous nous avez pris en otage pendant tout ce temps. Bokena na gauche ma bé, na droite ma bé. Maintenant, c'est les changements ou rien, c'est ce que nous voulons pour notre pays. Et le président qui va devoir diriger notre pays, c'est nous qui allons les lire. Et c'est nous qui allons décider sur qui devons passer, qui doivent passer sur cette liste. Au regard, n'est-ce pas, des critères. Les critériums sont là. Donc si parmi eux, il y a un qui est invalide, cette invalidation a des causes qui sont justifiables. Ne venez pas ici embrouiller le peuple congolais. Nous ne sommes pas là. La popularité, s'il est populaire chez vous, parce que toi tu les connais, parce que tu t'es fait pour passer pour son porte-parole. Tu t'es fait passer pour son défenseur. Prends-les, amène-les aux États-Unis, qu'ils deviennent même gouverneur d'un État. Qu'ils deviennent même gouverneur d'un État. Soit qu'ils deviennent secrétaire ou sous-secrétaire d'État. Bonjour, mon père, ma poste Kouna, c'est votre fils aussi, il a les sons juifs. Qu'est-ce qu'il y a comme ça à vouloir que les juifs dirigent partout dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Congolais te lignent sous Babylon pour Anata? Non, nous on ne veut plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Continuez comme ça de rêver, en tout cas, rêver debout. Le peuple déjà a dit non à la MONUSCO. Déjà, la MONUSCO est en train de partir. Ça, vous le savez. Ne venez pas avec des choses que vous voulez nous présenter. Même si nous ne voulons pas de ces choses, vous voulez nous imposer, ne rêvez même pas. Ces choses-là, elles vont exister sous l'amour à la bisoté. Congolais tous les sous Congolais tous qui l'obtient. Si c'est votre candidat, moi Exodus Lukombo, je pense que tous les Congolais conscients et patriotes vont vous demander la même chose, avec beaucoup de respect, beaucoup d'estime que nous avons pour vous et votre pays, les USA. Nous vous demandons de bien vouloir prendre Monsieur Katoumbi, l'amener chez vous pour qu'il se présente aux élections prochaines. Comme ça, les élections auront lieu. Parce qu'il n'y aura pas validation, invalidation, et parce qu'il est populaire, et parce que cette décision sera légale chez vous. Plus 243 89 97 67 078, plus 243 89 97 67 078, vous allez qui est belé, il y a que la Nabi sauve vraiment
ça la émission na biso na mokolo na lelo, que ça la cette analyse ensemble avec vous. Alors nous vous disons merci, mais avant de finir cet élément, nous allons vous dire que les Nekongo se réjouissent. Il y a au moins que ba élection zoya ba Nekongo to sepele déjà. Au moins ba élection ninga zoya pe mopona mina biso to yebiye déjà nous les Congolais du Congo central. Nous sommes fiers. On sera fiers. Il y a les 20 ceux qui vont avoir l'élection de voter pour les numéros 20. Nous, nous serons fiers de les faire. Et nous remercions encore une fois les porte-paroles de tous les Nekongo. Les porte-paroles de Benin Congo. De tous les Nekongo, j'ai dit, papa André Wame, sur les dirkaba du chef de l'État. Je vous dis, c'est un homme qui est dans des projets. Alors, bah, projet Oyo, et Oyo m'a vraiment développement la province de Nabiso Congo central. C'est un autre grand esprit, une autre personne. Aujourd'hui, tout le monde qui n'a pas un projet à lancer qui est la mécanisation et l'accompagnement agricole dans les territoires de Songololo. Il a donné des tracteurs, il a donné des choses et lancement, malgré tout ce qu'on a fait, lancement et bas travaux et salami na lolenge yamala mou vraiment n'engue de lingue la qui yango et asuka ki ka wanate, il était bel et bien aussi dans le Congo central pour soutenir la brigade de jeunes leaders. Donc il y a des réalisations qu'il est en train de faire dans le Congo central. Oyo ebele bazalabi ba bimina ba kondi. Oyo ebele bazalabi ba gouverneur, ba ministre ba sala yango te. Mais lui arrive à les faire. Tomoni ningini asala ki ba pui. Ba forage, je voulais dire. Et salama ki ya ningini na Congo central, parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est que l'eau n'était pas potable. Ba tebe ba ndeko mais la eau potable était, mais grâce à lui, ba eau potable, ba forage et salami et ses eaux. Et Rosala Maï Oyo, même un nourrisson, moi la bottom de l'Azala, même ces enfants-là seront capables de boire ces dos Oyo. Et où tu vraiment, Naba Forage Oyo, Nekonabiso, les dirkaba du chef de l'État, papa André Wameso, Excellence André Wameso, Aïbiko Sahana Congo Central, les porte-parole valables de tous les Nekongo. Vous avez encore une fois, j'ai dit, été nombreux à nous suivre. Dénonçons les mal qui se passent dans notre pays et surtout disons non. Disons non à l'impérialisme, disons non aux déclarations de Cohen. Les États-Unis n'ont aucune leçon à nous donner en ce qui concerne les élections de notre pays. Si la justice se décide d'invalider Moïse Katumbi, nous n'allons pas ici accepter que les États-Unis viennent nous dire, nous les Congolais, d'accepter que les élections ne soient pas organisées. Moi, ça me fait très mal, ça m'énerve quand la zone est sous phrase, quand il dit que cette décision est illégale. Il faut lui poser la question de quelle législation, de quelle légalité lui parle, de quelle loi même. Est-ce la loi congolaise ou la loi américaine? Nous sommes dans les romano-germaniques et ils sont dans les anglo-saxons. Chez nous, la loi est écrite, la constitution est écrite, tout est écrit. Chez eux, c'est verbal. Moi, je ne vois pas de place ni de mon ambition de ma mouette et balani. Baso Moïse Katoum. Mais il pas bango. Ceux qui t'attendent à poire pour y en avoir escalier, le président de la République, ceux qui Biden, ceux qui n'a pas su quand tu as tout baisé pour moi, la bombe qui n'a pas de juif parce que c'est on sait, je le répète encore, c'est le juif qui dirige les yeux et ça. Pas lui a commis président des États-Unis et puis c'en est fini. Fidèles internautes, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. Nous saluons la présence d'un grand ami qui est parmi nous, un combattant de première heure. On dit Rodrigue Moukendi, un combattant, je répète, de première heure. Nous saluons sa présence sur ces plateaux. Merci beaucoup. Non, Ebeni. Coco, merci Coco. Parce que Yaya a dit que la peine à moi, si je suis Laurent Moussé, donc Coco, Coco. Abiwa, ben Coco. Y'a un petit peu de bina, Abi. N'y a pas de bina, boye, bango na katanga. Bateau, parce que la plame, Abi, la zone l'enga déjà. Abi, nous tous, y'a une vérité, histoire, y'a un aïe. Vous comprenez? Non, Abiwa, c'est la kinda boye.
abi yango tika na bino et puis tu es arrivé avec Kabila wana ande ko na bi sauter bref ane que Zoé Akimi déjà Kinshasa il dépense le Zoé Akimi Zoé Akimi ma ona ta chamanta parce que place il va côté la ramingi Tanzanie yango Joseph Sabino il dépense vivant vivant si oui Joseph Sabino Dengue tozo beta masolo wa na est kuna bitumba ezo bunda bakaka tozo beta parce que te constater EAC ba Kenya wana na M23 na ba Uganda na ba Rwanda eloko mo encore oyi ke lobby Joseph Sabino wazalenga beti to kangi ba kamyo mi bale ya Monusco. Quand tu as un camion, tu as un monosco. Tu as un camion qui a été caché, tu as un congolais. Dans monosco, il est best vivant. Vivant. Fatibé. Béton. Tu as un awa, et ça, la monosco. M23. Oh, et assez. Dans le monde. Tu as un Hollandais bien, on comprend que non, Mundele a l'ingi congoté. Mais pourtant, Mundele a zoba que non. RDC, c'est le pays solution. Donc, il y a un monde qui est en 2080, 85, 90. Congo, RDC, pays solution, parce que Zamba n'a pas. Mais comment expliquer que si Zamba n'a pas et Zali, que nous avons ça, planète, lobby, lobby. Mais pour nous permettre que la guerre soit la guerre, c'est que nous avons. Donc, il y a un monde qui est congolais aux alliés. Nous avons voté Katumbi. Mon couéki, au faillu, aux âmes maudites. Est-ce qu'elle va relever là? Merci. 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 Tour à l'Iboso, tu crois ça qui est des hélicoptères, il y a Kagame. Tu y es, Bango, Sokoy. William Gomarabi, non. Dans son dimanche, comment expliquer à Batouana, oh, Bazo Benga, soi-disant, Bawazalène, non, Bazo Bunda Nemana, pourquoi? Ali Bazo Bunda Komba, un professionnel. Et puis, tu as compris, tu as dit, Bazo Sokoy. Force, ni Bazanango. Ce sont des professionnels. Même si, non. Et l'équipe m'a dit papa, mon tombolo, semaine passée à celle ici, au tombé dans le conseil des ministres. Il dépense vivant. Présent Félix Abiboy. Pour renforcer les militaires, Kendekuna, va récupérer le territoire déjà ici au Kangi. Parce qu'on a l'île sous terre, soit déjà territoire ici au Kangi. Donc, on a un M23 avec l'Issouana. Pour impunité, allez, va renforcer. Va renforcer le bataillon. Si on a El Yagoma, Tosobunda, Kotoyo, na Kotoyo. Si on a Kotoyo, que Betty Bamba Kimi, bah est-ce que vous. Si on a El Zaradi samedi, la birere, la El Moussous, la birere, la 12e, boy, Tosaki, moi qui dis, bah M23 attaquer Bissou. Wazalendo, te replier. Tant que tu replier, Tosali Bamba contre-attaque. Le bâton est à 15h30. Bango va contacter la 12h30. Donc, il va à 15h30. Donc, quand il y a un colonel, il va Singapour. Faut des amis. Tobeti, Wazalen, de Bazala qui prêt. Donc, comme il dit, la frontière, il y a Rwanda. La RDC va y avoir un birere. Si vous voyez, peuple, Bazala qui prêt, va contacter la Rwanda. Maramoro, phare DC, Babiboy. Le quoi là déjà, tu commis la frontière. Ton souka. Alors, peuple, tu n'as pas Babi, non. Tu dois dépendre de la hiérarchie à Kinshasa. Tu dois être là, mon d'or de route à Kinshasa. Pas autorisé à Bisolo. Avant que maintenant, nous avons Abiso, a tiré 21 dans la prison. C'est comme ça à Abiso. Tu comprends, hein? Je n'ai pas un héritage. Abi, voilà maintenant, nous avons. Non, Ebeni. Coco, merci Coco. Parce que Yaya a dit qu'à peine à moi, si je suis Laurent Moussé, donc Coco, Coco. Abiwa, Coco,
yango tikala bina bi ndenga nazo bina boye boye bango na katanga bato basali na plan mabe bazo lenga deja baibi ke mutu sio ay di vérité histoire ye wana ye ogomban na bia do ezaki nda boye abi yango tikala bina et puis tu sa rabino ke kabila wana ande ko na bi sauter preuve ane ke zoé a kimi deja Kinshasa. Zoé Akimi. Zoé Akimba on a la chamanta. Parce que place il va côté la ramine Tanzanie. Dans un Sabino, il dépasse vivant. Vivant, c'est oui. Dans un Sabino, l'engue est aux obéta, ma solo. Na est de Kuna Bitumba, et aux obéta. Parce que tu as constaté, et assez. Ma Kenya, on a. Na M23. Naba Ougandé, Naba Rwandé, et là, comment? Oui, mais il y a un lobby, Neb Sabino, Wazalenga, Betia, 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 donc quand il va camion, il va aller à Monesco. Tant que quand il va camion, il va aller à Monesco, donc Fongol, il y a un cas, il y a un côté du Bembe, il va congolais. Donc Monesco, Parce que Zamba n'a mai. Mais comment expliquer que si Zamba n'a mai et Zali, vous avez dit que 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 vous avez Gagaba! Expliquer à Batouana, Bazo Benga soi-disant, Bazalé Nome, Bazo Bunda Nemana, pourquoi? Abi Bazo Bunda Kamba, un professionnel. Et puis, tu as compris, les thèmes, maman, il y a eu son socoy. Force, il y a eu ce sont des professionnels. Même si, dis non, il tombe et l'équipe, ma classe, papa, mon tombolo, semaine passée à celle ici, oh, tu es dans le conseil des ministres, il dépasse vivant. Présent, Félix Abiboy. Pour renforcer les militaires qui sont en train de récupérer le territoire déjà ici au Kangi. Parce que dans l'île, il y a déjà un territoire ici au Kangi. Donc, il y a un M23 avec les Souana. Pour affinité, allez, renforcer. Pour renforcer le bataillon. Si on a un Yagoma, si vous avez un samedi, la birère, la El Moussous, la birère, la 12e, vous avez dit que moi qui dis que M23 attaque le sous. Vous avez dit que vous avez replié. Tant que vous avez replié, vous avez dit contre-attaque. Vous avez dit que vous avez 15h30. Vous avez dit que 12h30. Vous avez dit que 15h30. Vous avez dit colonel vous avez dit que vous avez To beti, wazalendo basalaki pre, to komi ti na frontière ya Rwanda, na RDC wa yo birere. A birere. Sikoyo, peuple basalaki pre bakota ka Rwanda. Mbaramoko fa RDC, babi boy. Lo kola deja to komi na frontière. To suka awa. Peuple bi pona ni babi non. To zo dépendre na hiérarchie ya Kinshasa. Dans ce sens-là, mon d'ordre de route à la Kinshasa m'a autorisé